تفضل. اسمي عبد الاله لو ديريكتور بروفانسيال دو ليكيبمون ايدولو دو لا بروفانس ديفرين. Nous sommes actuellement situés sur le projet du doublement de la régionale 707. Ce projet qui est un projet très important, qui est réalisé dans un cadre d'une convention entre le ministère de l'équipement et de l'eau et le conseil provincial d'Ifrane et le ministère de l'Intérieur. Le premier lot qui est en train d'être réalisé concerne un linéaire de 4,5 km avec un montant de 32 millions de dirhams. Le deuxième lot qui relève de la province de Ifrane sur un longueur de 6 km, que le ministère va lui consacrer un montant de 52 millions de dirhams, ce qui sera l'ouverture du puits sera et est programmé pour le 20 février 2024. Ce projet s'intègre dans un ensemble de projets très importants pour la maintenance, l'élargissement et le renforcement de réseaux structurants de la province d'Ifrane qui s'élève en totalité à 810 km de route classée. Je donne par exemple le projet de la même route entre Ifrane et Boulmen. Il y en a deux projets d'un coût total de 45 millions de dirhams pour élargir la première section de 6 km entre Ifrane et le rond-point qui mène vers la zone touristique de Michlifen sur un linéaire de 6 km pour un coût de 46 millions de dirhams qui est dans un avancement de 40%. Et le deuxième lot entre le rond-point de Michlifen et la limite avec la province d'Ifrane pour un linéaire de 5 km et un montant de 18 millions de dirhams. Aussi, nous avons le triplement de la nationale 13 entre Azro et Temhdet, exactement sur la forêt de Azro, la sortie de Azro, sur un linéaire on triple la voie à une largeur de 10,5 mètres. Pour un linéaire de 8 km et le montant consacré c'est 30 millions de dirhams. L'avancement des projets actuellement il est à 80%. Le prochain projet c'est la nationale 8 entre Azro et Khnifra. Cet axe qui est un axe très important parce qu'il relie la région de Bnimla Khnifra et la région de Fes Meknès via Ifrane. Le linéaire total de cette taxe s'élève à 35 km. Les premiers 20 km ils sont en train d'être élargis et renforcés pour un montant de 63 millions de dirhams. L'avancement, on est à 45% d'avancement du projet. Le deuxième lot sur 15 km pour arriver à la limite de la province de Khnifra, il sera lancé cette année pour les prochains mois pour un montant de 52 millions de dirhams pour élargir les 15 km qui restent. Un autre projet très important qui sera lancé cette année, Inch'Allah, c'est le dédoublement de la route nationale 8 entre Ifrane et Mouzer. Ce projet très important vu le trafic que connaît cette route qui s'élève à 6000 véhicules jour. Et pour le trafic de pointe, il arrive à 10 000 véhicules jour. Nous avons au niveau de la province d'Ifrane une linéaire de 6,1 km. Le montant qui sera alloué pour le dédoublement de cette taxe pour la province d'Ifrane, c'est 86 millions de dirhams. Les études sont déjà achevées. On va essayer d'entamer la procédure d'expropriation pour lancer le projet de dédoublement dans les prochains mois à venir. Cet ensemble de projets et d'autres, savoir la 7221 qui relève du territoire de la province de Temhdet, elle a été renforcée sur 15 km. Aussi la 7212, il y en a trois projets pour un montant total de 25 millions de dirhams. Un ensemble d'autres projets sont programmés pour l'année 2024. Le montant total qui a été programmé en 2023, qui est encore de réalisation, s'élève à 255 millions de dirhams pour maintenir un linéaire de 74 km. Aussi, pour cette année, il sera riche de projets routiers. Le montant qui sera consacré s'élève à 278 millions de dirhams pour élargir et maintenir un linéaire de 78 km. Cet ensemble de projets qui permettra à l'infrastructure routière d'être dans un niveau demandé pour que encourager l'investissement, favoriser et encourager le domaine touristique
comme vous le savez, la province d'Ifrane est connue par son paysage, par ses forêts extraordinaires. Donc on doit assurer un réseau dans un niveau extraordinaire pour permettre aux usagers de la route de se mobiliser et assurer la sécurité des usagers de la route. Merci.